Eh bien, bonjour tous amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super et aujourd'hui les amis, je pète la forme. Je suis chaud. Pourquoi? Vous devez le voir là, non? Non? Non, vous le voyez pas, non? Ah! Bah on est sur Subnautica! Eh ben oui, on est sur Subnautica et je suis super, vraiment super heureux de le retrouver. Enfin, après, ça va bien faire 2 mois. Ça fait 2 fucking mois que j'attends de pouvoir rejouer à ce jeu quand même. Hein. Il y a eu 2 nouvelles petites mises à jour assez sympas. Bah, une grosse, une autre. On n'a pas vraiment vu ce qui est sorti. Ou alors, il y en a même eu qu'une seule en fait. Ouais, je crois qu'il y en a eu qu'une seule. D'ailleurs, ça doit même faire plus que 2 mois que j'y ai pas rejoué. Du coup, je vous réinvite dans ma petite base qui a été complètement refaite. Ah voilà, tout a été refait. Alors oui, parce que si vous n'avez pas vu le tout premier épisode de Osiris, je vous spoil. Bah en fait, je vous spoil pas grand chose parce que j'avais rien fait. Oui, j'avais vraiment rien fait du tout. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait dans le premier épisode de Osiris? Bah j'ai tout simplement redit que Subnautica, j'arrêtais parce qu'il y avait des gros bugs, des gros lags, et puis ma partie était carrément buggé, il y avait des mobs qui spawnaient partout, ça partait en couille quoi. Et donc là maintenant, en fait, il y a eu plein de nouvelles mises à jour et ça a rien changé du tout. Du coup, je suis retourné sur une toute ancienne partie que j'avais faite avec une base énorme et tout pour voir si c'était parce qu'il y avait trop de choses ou c'était ma carte graphique qui pouvait plus rien faire tourner et tout. En fait, pas du tout. L'autre, elle tournait super bien. Je me suis dit quand même, Ark, ça tourne super. Pourquoi Osiris, ça marcherait pas. Et du coup, j'ai dû refaire une partie. Donc l'autre, j'ai supprimé. J'en ai refait une. C'est pas grave. La base, elle est pas encore super grande, mais on est à un endroit magnifique. Et depuis tout à l'heure, vous devez vous voir un petit peu. Ah là, voilà. C'est un léger problème d'avoir ça. D'ailleurs, il fait tomber tous les trucs là. Bon, au moins mon Simos, je pourrais passer normal, mais il m'énerve un petit peu. Bref. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir visiter le Aurora. Chercher le mot. On va visiter l'Aurora, les amis. Et oui, parce que enfin, il serait temps d'y aller. Bon, je vais préparer tout ça. Et puis ensuite, bah, on se retrouve une fois que j'ai préparé la nourriture et tout pour partir en direction de l'Aurora. Tout de suite. Ok, les amis. Donc, on est chargé à bloc. Alors là, oui. On est chargé à bloc. Bon, on est chargé à bloc. Je veux dire, on a de la nourriture, de l'eau et tout ça. De toute façon, je prends pas des masses, je remplis pas parce que de toute façon, des bouteilles d'eau, on en aura plein sur l'aura. Bon, alors, je m'attarde pas trop, bon, voilà, parce que lui, il me fait peur. Et les amis, il y a un truc qui m'énerve. C'est que vous voyez, attendez, le vaisseau, normalement, on peut le voir, l'aura. Il est juste là, voilà, on le voit légèrement. Juste ici, à côté, il y a le Léviathan. Et le Léviathan, il est pas gentil. Et alors, juste là, là, vous voyez, là, il y a un petit trou là où c'est dégueu, où la map n'a pas chargé. Il y a le Léviathan. Il est bugué. Il vient ici, comme ça, il spawn. La dernière fois, je rentrais. Ah, voilà, on peut le voir. Regardez. Là, il passe derrière les cailloux, là. Il est juste là. Et le Léviathan, donc, ça veut dire qu'il est à quelques mètres. Regardez, on le voit. Ouh, bon, on va pas s'approcher, hein, voilà. On va pas s'approcher. Donc. Que ouais, j'ai cru qu'il nous suivait. Donc, une fois, je suis rentré comme ça, tranquille. Voilà, tranquille, j'avance comme ça. Je rentre pour aller à ma petite base. Une journée tranquille. Et qu'est-ce que je vois? Le Léviathan qui me saute dessus. Il me spawn devant moi. Comme ça. J'ai hurlé. Wow, punaise. Ça a dû bien changer depuis que j'y ai pas été. Voilà, alors, pour parler aussi de la nouvelle petite mise à jour. J'ai vu un petit peu comme ça, des petites vidéos. Et à ce qui paraît, il y a, les amis, un vaisseau qui va venir nous sauver. Alors oui, et il y a une espèce de petite forteresse alien comme ça. Par contre, j'ai pas d'armes. Hein. Bah, j'ai pas d'armes, mais il y a plein de petites araignées comme ça. Bref, voilà. Oupulaise ! Ok. Alors, pistolet. Pistolet, mince, j'allais pas. Ah ! Et sérieusement, arrêtez de me sauter dessus, là ! Ah ! Mais punaise, non mais ça... Ok, donc on commence à ramasser quelques trucs, là. Ok, bon. Ouais, j'ai trouvé tout simplement tous les fragments qu'il faut pour avoir ce cyclope. Donc, prochain épisode. Elle est morte? Non, c'est rien. Non, elle est pas morte. Prochain épisode. Punaise, elle est buggée cette caisse là. Eh, ouais, je vais la voir. Bon, pas grave. Prochain épisode, le cyclope. Ouais, et du coup, on pourra peut-être après aller visiter le truc des aliens. Oh, un extincteur. Donc après l'extincteur on va éteindre, ouais. Donc prochain épisode, j'ai dit qu'on allait faire le petit... Bah tout simplement,
le cyclope, voilà, aujourd'hui, c'est galère, les mots, hein, à trouver. Alors là, ça, c'est bon. Ok, j'ai trouvé quelque chose. Canon à propulsion. Yes. Alors, par où on commence? Donc, on va là, on éteint tout ça, on appelle les petits pompiers. Moi, je suis un pompier. Ouh, c'est quoi ça? Ah! Mais c'est le pompier qui crame. Ça fait super professionnel, ça. Hein? Dis-moi tout. Un stylo? Mais ce serait bien de récupérer un stylo. Ok, j'ai eu un nouveau PDA. Donc ça, j'ai téléchargé des données. Là, y a rien à prendre. Là, rien non plus. Là, y a rien. Ok. Là, y a rien. Bon. Mince. Ne me dites pas qu'on peut pas passer de l'autre côté, là. C'est une blague. Wouh! Et voilà, comment glitcher le jeu. C'est... Mince, j'ai pas de code. Oh non, il faut un code. Oh non, faut un code. Sérieusement, je dois bien avoir un PDA avec un code, un truc comme ça. Données téléchargées. Code. Ok, on a plusieurs codes. Anniversaire. Mon anniversaire. Nombre de semaines. Code de la soute. 1454. J'espère que c'est ça. Faites que ce soit ça. 1. 4, 5, 4. Oh, c'est ça! Oh, c'est ça! C'est qui les hackers? Bon, j'avoue, on n'a pas quelqu'un, on l'a eu sur un PDA. Ok, bon. Je crois que maintenant il y a des dégâts de chute, alors on va éviter de faire les cons. Donc, on va aller là tout simplement. Ok, là. Ça, c'est un truc à scanner, voilà. Vous voyez, il y a un petit truc qui s'affiche en bas à droite. Donc, dès que vous en voyez un, vous me prévenez. Hein, vous me prévenez tout de suite. Parce que je vais peut-être pas le voir. Voilà, les amis. Oh, là, on va devoir faire de la réparation. Attention. Ici, on a les pompiers. On a le réparateur. Ok, on a le soudeur. Allez, vas-y. Soude-moi tout ça. Allez, mon petit coco. Ah, bah, c'est déjà fini. Wouh! Ok, mon gars. Ça va envoyer du lourd. Ok, donc là, il n'y a plus rien à prendre. Ok, bon. Eh ben, c'est tout. Y a quoi, là? B à prune. Oh, non. Oh, ne me dites pas ça. Le prune, c'est l'exosquelette. Et pour ça, bah, pour y aller, il faut tout simplement le pistolet, le truc laser. Et puis, je crois qu'il faut du diamant pour le faire et tout. En tout cas, là, je l'ai pas sur... Je peux pas voir sur moi. Je vais regarder ça tout de suite, mais je crois pas. Ça doit être dans les... Un truc... Oh, putain, j'ai vu un truc, là, se mire sur moi. Je sais pas ce que c'est derrière. Attendez. Un truc avec... Là, voilà. Cutter laser, diamant. Voilà. Sérieusement, vous voulez que je trouve du diamant pour l'instant? Donc, on n'aura pas notre petit prune tout de suite? Ce n'est pas grave. On patientera, les amis. En tout cas, on aura déjà vu ça. Et ça va être bien pour une... Pour une petite retrouvaille. C'est sympathique, je trouve. Donc, on prend ça. On éteint! Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Ça, ok. C'est sympa. Ok, donc là, on va devoir réparer ça. Ouais. Ok. Et sinon, on peut faire quoi d'autre? Ok, radiation. Il y en a 10 des fuites. Ok, bon, on va faire tout ça. J'ai oublié de vous dire. Là, sur moi, il y a une couette de 5 kilos. 5 kilos parce qu'elle fait genre 30 cm d'épaisseur. Parce que je crève de froid. Moi, je suis un mécano. Allez, moi... Oh, punaise, j'ai vu passer... Ah! Casse-toi de là! Punaise! Mais elle est folle! Mais elle est folle, celle-là! Petite sangsue. Wouhou! J'ai entendu un bruit, là. C'est bon signe? Ou pas? On ne sait pas. Ok. Donc, là... Ouais, ok. Bon. Oh. C'est tout calme. Oh. Ok. Ok. Ok, donc normalement, dans 3 jours et 3 heures, les radiations seront évacuées, en gros. Bah, en gros, il n'y aura plus de radiation. Voilà, on sera tranquille. Oh, punaise, il y a une créature! Oh, si, on peut remonter. Ah! Mais arrêtez, enfin! Ok, bon. Alors, pour la BA Pro, je suis désolé, j'ai pas encore les matériaux qu'il faut pour l'avoir. C'est vrai que ça me dégoûte un petit peu aussi. Parce qu'on était bien parti là. On était très bien parti. Ok, bon.
Là, est-ce que vous croyez qu'on peut se tenter le petit saut, là? Où est-ce qu'il est, mon... Il est là. On se le tente, le saut. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Wouhou! Allez! Plouf! C'était bien. Oh, j'ai kiffé, là. Oh, j'ai kiffé. Ok, donc là, c'est bon, c'est bon. On se casse d'ici. Au revoir. Merci. Eh bah, ouais. Eh ben voilà, je suis très content de ce qu'on a fait. Bon, eh ben ça aurait été un épisode assez court, les amis. Hein, voilà, c'est la reprise. Fallait bien qu'on fasse quelque chose. Pour recommencer ça, donc, on va regarder ce petit message tous ensemble. Okay. Aurora, it's Sunbeam. Ouais, écoutez. We've made orbit and scans have found a landing site on the planet that's only rated hazardous. Mais c'est quoi ce truc? It's our best shot. Oh là là. We've sent you the coordinates. We'll be there in 2 days' time. C'est cross quoi, your fingers, the weather holds. And don't leave us waiting. Sunbeam out. Oh les amis, vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans 39 minutes, IRL, un vaisseau vient nous sauver. Un vaisseau vient nous sauver dans 30 minutes! Mais par contre, il faut trouver l'emplacement et tout. Et ça, je ne sais pas où il est. Et les amis, bien sûr, vous me connaissez. On va s'arrêter là! Eh oui, je vais taper sur la table. Voilà, on s'arrête là. Hein, moi aussi, j'ai un suspense de malade à attendre, mais il faut que je me renseigne un petit peu où tout ça, où ça va être. Donc les amis, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, pour la prochaine fois, on ira croiser tout simplement le petit vaisseau qui est censé venir nous sauver. Hein. Voilà, donc je vous laisse un petit suspense. Ça va être génial. Et ouais, ça va être super. Hein. J'ai hâte. Ah, mais en plus, ça y est écrit. Ah, hein, les amis, hein, 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 que ça vous donne. Hein, qu'il y a le suspense qui monte, là. Bon. Eh ben, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, plein de pouces bleus, plein, parce que là, voilà, là, je suis en dèche de pouces bleus, on va dire, voilà, c'est la S sur cette chaîne, voilà, on a plus assez de pouces bleus, allez, un peu plus, allez, du nerf, allez, qu'est-ce que je vous fixe, voilà, je vais directement, oh, mais c'est quoi ce truc-là, mais pourquoi il y a, ok, bon, donc, si on arrive à 50 pouces bleus, en moins de... Allez, on va dire 3 jours. Voilà, je vous laisse 3 jours à partir de maintenant pour mettre un maximum de pouces bleus. Si on arrive à 50 dans 3 jours, je retourne un épisode le plus vite possible. Voilà, ça passera en priorité. Et on ira voir qui sont nos sauveteurs. Vous êtes prêts? Ok, donc maintenant le défi est lancé. 50 pouces bleus en 3 jours. Hein, voilà, c'est faisable, c'est largement faisable. Je place là-bas, pas très haute. Voilà, et donc, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, partagez un maximum cette vidéo pour qu'il y ait un maximum de pouces bleus. Et les amis, je vous dis ciao!